Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver ici face caméra pour vous dire merci de votre fidélité et de vos abonnements. Alors j'ai mis tous les taroscopes du mois de mars en ligne. Ils y sont depuis dimanche déjà. Donc je fais ma petite pub pour vous dire n'hésitez pas à aller voir. Il y a tout d'un coup cette fois-ci. J'ai respecté. Comme ça on peut aller voir l'ascendant, le signe lunaire. Voilà, c'est assez intéressant. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à être curieux, honnêtement et vraiment en toute intégrité. Moi j'ai trouvé que beaucoup de choses se décantaient. Alors oui, il y a quelques signes qui ont des choses à travailler malheureusement, mais c'est comme ça. Tout n'est pas parfait dans une guidance, il y a toujours du bon et du moins bon. Donc je vous laisse aller regarder sur ma chaîne, tout est indiqué en barre d'infos. Alors, je lance le jeu concours pour gagner mon tarot élégant tarot. Vous vous souvenez, j'en avais parlé, donc janvier c'était tel jeu concours, février c'est tel jeu concours, et là on va arriver à mars, donc c'est pour gagner un élégant tarot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je sais pas, mettez un petit commentaire, ce sera uniquement sous cette vidéo, puis allez voir aussi votre signe, voilà. Qu'est-ce que vous dire de plus? Diva est avec nous toujours, oui, c'est vrai que vous en parlez beaucoup. Merci parce qu'elle a été très malade, j'ai eu très peur, elle va mieux, voilà, elle est en pleine forme, elle viendra toujours m'embêter dans les vidéos. Et puis aussi, ben, j'avais annoncé que je reversais une partie de mes consultations sur une période précise. L'association, c'est... Alors attendez. C'est bon, j'avais bien gardé en tête. C'est Imagine for Margot. Donc ça concerne les enfants qui ont le cancer. Donc voilà, j'ai mis un petit peu leur Instagram, leur site ici, ce que j'ai versé, parce que c'est important de voir que j'ai été sincère et que je n'ai pas gardé l'argent que pour moi. Donc voilà, moi c'est ça, ça m'a vraiment tenu à cœur. Alors je dis ça parce qu'il y a, y a d'autres choses qui me tiennent à cœur, bien sûr, les animaux. D'ailleurs, il ne faut pas aller à l'ASPA avec moi parce que on repart pas les mains vides malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on adore tous ces animaux, enfin j'espère. En tout cas, moi je suis fan. Et puis voilà, donc j'aurai d'autres choses à vous dire par rapport à une formation tarot qui est en ligne. Je vous embête pas avec ça maintenant, on verra plus tard. Je vous embrasse et prenez soin de vous.